Ils avaient évidemment hâte d'envoyer le ballon, conserver et faire courir l'adversaire. C'est sûr qu'ils préfèrent avoir la possession que de laisser le ballon à l'adversaire d'arrêt. Oui, mais tous les joueurs y contribuent en se rendant disponibles. C'est un sacré boulot quand même. C'est bien fait ça. Mais il va être sanctionné. C'est bien fait. Koulibaly. Grosse occasion. Un long ballon vers l'avant. C'est joué long, attention. Il peut tirer. La frappe. Quel geste, c'est sublime, terrible pour le gardien. Mais c'est magnifique, c'est presque scandaleux d'avoir autant de talent. C'est reparti, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Ballon perdu, c'est dommage. Il s'échappe côté droit. Il progresse encore. Oh, le duel. Il a trébuché sur cette intervention. Il récupère le ballon. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Ils jouent long. Non, ça manque d'application. On en restera là pour cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé pour commencer. Il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Un petit but sépare les deux équipes. 1-0 à la pause. La seconde période a donc déjà débuté. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Oh, le contre, l'arme fatale. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il allonge. Ouf, un peu d'air. Il allonge vers l'avant. La tête, attention! Elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Il avait réussi à prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Et bon centre, quelle détente! Un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. C'est donc un double. Il tente la frappe. Ça aurait dû faire 2-0, ça. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été quasi impossible pour eux. Les
Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. La longue passe. Il est repoussé par la défense. Sur la gauche. Oh, quel geste! C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. La passe dans la profondeur. Attention là. Il prend sa chance. Deuxième chance. C'est vrai que ce genre de bourde peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. C'est fini. Vous savez, c'est parfois compliqué d'être prêt physiquement et mentalement dès le début de la phase de groupe. Mais ils ne sont pas tombés dans le piège. Salut à tous et merci de nous rejoindre pour la deuxième journée de cette phase de groupe. Alors oui, il est évidemment un peu tôt pour faire des pronostics, mais on peut dire sans trop s'avancer que les vainqueurs de la première journée feraient un grand pas vers la qualif en cas de nouveau succès tout à l'heure. Avec 6 points, on a de quoi voir venir. Allez, on va laisser de dire au football. Bien, suite à ce premier match gagné, tous les espoirs sont permis, non? Oui, les joueurs doivent être contents d'avoir fait ce qu'il fallait au premier match. Du coup, la pression est sans doute un peu moins grande aujourd'hui. Ils vont pouvoir jouer plus libérés et viser une deuxième victoire d'affilée. Et le match est donc lancé. La frappe! Oh, il était bien placé. Quelle occasion ratée! Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix! Vous avez remarqué comme les latéraux montent, quoi. Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Oh, il espérait ce ballon. Bonne course, côté droit. Quelle passe! C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout.
c'est chaud. C'est parfait, magnifique. Il est sur le côté. Quelle inspiration! Il reçoit le ballon. De la jouer dans l'espace. Oh, bonne lecture, intercepté. Il décide d'allonger le jeu. S'il le trouve, il y a peut-être un coup à jouer. Ils s'en sortent. Il se rattrape bien. Dans la profondeur. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué. Le match vient tout juste de reprendre. Bien, toujours 0-0 à la reprise. On attend le premier but. Koulibaly. Attention, il frappe. Il ne manquait pas grand-chose là. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. De réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Dans la profondeur. Il a stoppé l'attaque adverse. Longue passe. Il va provoquer. Ce ballon dans l'axe. Et il se fait pardonner. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Bien, la profondeur. Et il continue sa course. Le bon dribble. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Ils obtiennent le corner. Ce sera le premier corner du match. C'est repoussé. Ils l'ont gagné. Un nouveau corner. Il la repousse. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Pris au piège du hors-jeu.
Le long dégagement du gardien. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Ah, les défenses ont été bonnes, les gardiens aussi. Et les attaquants n'ont pas eu de réussite aujourd'hui. 0-0, match nul. Alors dites-moi. Bienvenue à tous pour cette rencontre qui s'annonce palpitante, se dessine petit à petit l'identité des qualifiés pour la phase à élimination directe. Le stade est plein, l'ambiance monte, ça danse, ça chante depuis plusieurs heures maintenant. Cette compétition a quand même une saveur particulière, aussi bien pour les fans, on le voit bien, mais également pour les joueurs. Et on va évidemment se régaler car il y a beaucoup de talent sur la pelouse aujourd'hui. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Oh, c'est chaud. Et bon centre. Oh, la frappe! Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. Alors ça sent la combinaison travaillée à l'entraînement. Ces deux joueurs s'entendent à la perfection. Et la porte s'est refermée. Koulibaly s'est joué long. Attention, il est passé. Ça peut être dangereux. Aucun danger pour le gardien. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe. Ça leur a ouvert le chemin du but. La passe allongée. Le ballon sur l'autre aile. Oh, le tacle. Régulière, il est battu, joli tacle. Bien. Oh, l'occasion! Oh, c'est un arrêt important, ça! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Ce sera le premier corner du match. Et la tête! Joli tir, ça méritait d'aller au feu. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Haussmann qui cherche la profondeur. Mais ça sort en touche.